124 voix en faveur du candidat, 155 voix contre, 67 abstentions. Le résultat du vote au Parlement espagnol est sans appel. Pedro Sanchez, le chef du gouvernement, a échoué à obtenir la confiance des députés. Pour être réinvesti, le leader du PSOE avait besoin d'une majorité simple, mais il n'est pas parvenu à un accord de coalition avec la gauche radicale de Podemos. Les deux partis ne cessent de se renvoyer la responsabilité de cet échec. Les radicaux et leur chef Pablo Iglesias considèrent qu'ils auraient été cantonnés à un rôle de figuration dans le prochain gouvernement. De leur côté, les socialistes leur reprochent de ne s'intéresser qu'au portefeuille ministériel, au détriment du programme. Minoritaires au Parlement, les socialistes ont maintenant jusqu'au 23 septembre pour retenter leur chance. Faute de quoi, de nouvelles élections anticipées seront organisées.